On a presque terminé de rentrer les informations pour que les paramètres de votre boutique soient là et on va s'en aller rapidement vers le look, mais juste avant l'onglet serveur, où vous allez dire si vous utilisez le SSL, c'est-à-dire que certaines boutiques en ligne décident de se doter d'un certificat de sécurité. Note, les membres de votre site.ca, vous n'êtes pas obligés de le faire. Grâce à notre entente avec Desjardins pour le paiement en ligne, nous nous occupons du volet de la sécurité, tant chez votre site que chez Desjardins. Donc, vous n'avez pas à vous procurer un certificat de sécurité. Si jamais vous décidez de le faire, appelez avec le service et la clientèle. Ils vont vous doter d'un certificat de sécurité. Et c'est là, à ce moment-là, que vous cocherez le oui, tout simplement. En dessous, quels sont les fichiers que vous acceptez sur votre serveur? On a mis là la liste des fichiers sécuritaires. Vous n'avez pas besoin de vous casser le bessic avec ça, là, comme on dit en bon québécois. Même chose pour en dessous. Je veux attirer votre attention sur les deux autres champs. Afficher un message de maintenance sur votre boutique, oui ou non? Hey, ça arrivera à un moment donné, dans un an, dans 6 mois, vous préparez une grande liquidation, vous voulez faire des changements majeurs dans votre boutique en ligne et vous voulez suspendre la boutique en ligne et dire aux gens, ben, on est en train de travailler puis on revient, revenez bientôt. Ben, c'est ce qui arrivera. En cliquant là-dessus, ça enlève la boutique du web, ça met un message, revenez bientôt. Et quand vous allez recliquer non, la boutique va revenir en ligne et être disponible. En dessous de ça, autoriser la fonction mot de passe oublié. Voulez-vous permettre, et laissez ça à oui, voulez-vous permettre à vos internautes qui ont un compte avec votre boutique en ligne de cliquer sur « Oups, j'ai oublié mon mot de passe » et ainsi recevoir leur mot de passe? Si votre concept ne vous le permet pas ou vous ne désirez pas le faire, enlevez-le, mais je ne vois vraiment pas pourquoi vous auriez envie d'enlever cette chose-là aux gens. Et l'affaire à découvrir, juste en dessous, Google Analytics. Google Analytics, c'est quelque chose de puissant. C'est un compte que vous devez vous ouvrir et c'est totalement gratuit. Vous avez vu, hein, j'ai cliqué sur le petit point d'interrogation, s'ouvre le texte et j'ai l'hyperlien qui vous envoie vers la chronique dans la zone des membres où on va vous dire comment vous ouvrir un compte Google Analytics. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça va vous dire quel internaute est venu chez vous, le nombre d'internautes, la qualité des internautes, leur provenance, l'âge, le sexe, le revenu, plein d'informations sur les gens qui visitent votre boutique en ligne et vous allez connaître page par page quel produit est plus populaire. C'est un outil pour comprendre votre entreprise, c'est un outil marketing extrêmement puissant et tout est déjà préprogrammé. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est vous ouvrir un compte Google Analytics, ça prend quelques minutes. Ils vont vous donner un code. Vous allez prendre le code. Vous allez venir le coller ici, dans la case « Code » de Google Analytics. Voilà, et tout sera programmé. Et dans votre compte Google Analytics, vous allez avoir toutes les informations sur votre boutique en ligne. Alors, le devoir que vous avez à faire à l'instant, remettez-moi pas ça à plus tard. Allez le faire. Ouvrez votre compte Google Analytics. Entrez le petit code. Puis après, on se retrouve pour faire le look de votre boutique en ligne.